Yo les gens, salut à tous, assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas de Call of Duty malheureusement. Je vais pas plus blablater, je vais directement entrer dans le vif du sujet, comme ça au moins c'est fait, d'accord? Par rapport à ce qui va sortir de ma bouche, par rapport à ce que je vais vous dire, ça va juste mon point de vue. Et pour la première fois, je vais vous dire juste quelque chose avant de commencer le sujet avec vous. On est d'accord, ça va juste mon point de vue, d'accord? Moi, je suis curieux de voir votre point de vue dans l'espace commentaire. Si vous, justement, vous cautionnez ça, si vous leur donnez raison, que ça reste là. Et ma parole, je vais laisser dire. Mais, pour ma part, si je vois que, justement, que les commentaires vont en contradiction par rapport à ce que je dis, c'est-à-dire si c'est le contraire de ce que je dis, c'est vous les tarés. Et non pas moi. Mais t'es Zekiri, t'es sérieux, on peut pas penser comme on veut. Vous pouvez penser comme vous voulez. Mais la façon que vous allez penser, c'est pas une pensée nette. C'est pas une pensée bon. C'est pas une pensée bon pour l'intérieur des gens. C'est pas une pensée bon pour le cœur. C'est pas une pensée bon pour l'intérieur d'une personne. Vous comprenez ou vous comprenez pas? Bref. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui a fait du buzz sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. etc. D'accord? C'est entre l'intercalation entre Sultan et Benache. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, Benache, et si je l'ai mal prononcé, désolé. Hier, quand j'ai vu un article, justement, qui dit, justement, ouais, Sultan s'est fait encercler, etc., etc., au début, j'ai pas cru. Au début, j'ai pas cru parce que pour moi, ça restait juste de l'écrit. Je me suis dit, tiens, qu'ils veulent faire comme d'habitude, des titres aguichés, des titres buzz, uniquement pour le clic. Tiens, je ne l'irai pas. Et quelques minutes après, justement, quand j'ai vu la vidéo, là, j'ai eu un choc. Là, j'ai eu un pincement au cœur. Comme si on t'annonçait une mauvaise nouvelle, comme si on t'annonçait quelque chose de mauvais. Quand justement j'ai vu Sultan se faire encercler par 6 personnes, d'ailleurs voici la vidéo pour les gens qui ne l'auraient pas vu. Quand je crie pas frère, ils ont essayé de me sauter là. Ils ont essayé de me sauter, ils m'ont tiré dans le coffre, sur le corps de la mec. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas où? Il est là, et par-dessus tout ça, je te raconte pareil, hein. Par-dessus tout ça, c'est l'espace commentaire. T'as carrément les gens qui cautionnaient ça. T'as carrément des gens qui donnaient raison à ces 6 personnes. T'as carrément des gens qui disaient, franchement les gars, vous l'avez bien baissé sa mère. Nachetan, qu'est-ce qui vous arrive? Ce genre de situation, ça pourrait être n'importe qui d'entre nous. Hein, j'ai l'impression que les gens se disent, ça m'arrivera jamais à moi. On n'est jamais à l'abri de rien du tout. Et le jour, et je vous le souhaite pas, hein, le jour où ça vous arrivera, déjà quand on parle derrière ton dos, t'en fais un scandale. Quand te fait des messes basses derrière ton dos, que t'as les oreilles qui sifflent, etc., t'en fais un scandale. Alors imagine-toi si un de ces quatre, tu retrouves ta tête en train de te faire niquer. Comme je pourrais dire à chaque fois, plus t'avances dans le temps et plus rien ne t'étonne. Ce genre d'élément, c'est extrêmement dangereux. Le téléphone portable, la putain de sa mère, la reine des putes, la chauve, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Aujourd'hui, t'as des gens, comme je pourrais dire, comme j'ai dit il y a quelques instants, plus t'avances dans le temps et plus rien ne t'étonne. Aujourd'hui, t'as des mecs qui filment leurs propres amis qu'ils connaissent depuis 10 ans. T'as des mecs qui filment leurs propres sahabs qu'ils connaissent depuis des trentaines d'années. Mais qui vont jamais. Justement, ils vont pas s'empêcher de les filmer en train de se faire niquer uniquement pour des clics et des j'aime et à base de MDR. C'est une vie, ça? C'est une vie, vous cautionnez ce genre de choses, bande de chétan? Bande de sales fils de pute, les reines de vos mères? Vous cautionnez ce genre de choses? Et j'ai l'impression que c'est une fois que ça vous arrive, c'est une fois que vous ramassez des coups, encerclés par ces personnes. Ah ouais, maintenant je sais, c'est maintenant que tu comprends. C'est une fois que tu te prends des... J'ai l'impression que c'est ça, c'est une fois que tu te prends des coups, c'est les gens qui commencent à comprendre. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, maintenant je suis au courant que ça peut m'arriver, ouais. À n'importe quel... Même moi je parle en premier à ma personne. Non, en faisant cette vidéo, ça pourrait m'arriver, je pourrais me faire encercler, me faire niquer ma race, etc., etc. Mais bon, je l'aurais cherché. Mais ça pourrait arriver à n'importe... Encore, je l'ai cherché parce que je dénonce une chose. Tu vois ce que je veux dire? Je dénonce une chose qui se fait pas. Aujourd'hui, t'as des gens sur Facebook, tu regardes... Ah, MDR, Ali s'est fait niquer. Non, je le connais dans mon école, MDR. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Les gens, ils se disent pas derrière cette personne qui est en train de se faire niquer, cet adolescent de 16 ans qui est en train de se faire niquer, cet adolescent qui est obèse, les gens sont en train de se foutre de sa gueule. Les gens, ils se disent pas que derrière, il y a une famille, il y a un père qui est en chaise roulante, une mère qui est à moitié malade, une soeur qui s'occupe de toute la famille, un frère qui a pas de boulot, qui fout le hella pour rendre encore plus dingue ta famille. Non, les gens, ils se disent pas ça.
Les gens, ils se disent, non, c'est notre propre personne, on est libre de dire ce qu'on veut. La putain de Vorace, la reine des putes. La putain de chatte à vos mères, vous avez pas honte, va. Et ça, je l'ai toujours dit, on n'est pas destiné à vivre éternellement parce qu'on ne le mérite pas. On est des faibles. La planète Terre s'appelle pas la planète Terre. Moi, je vais vous dire comment s'appelle cette putain de planète Terre. Je m'écarte un peu du sujet, mais je vais vous le dire. Cette putain de planète Terre, elle s'appelle le zoo. On est un zoo, on n'est que des animaux. Les gens, la population qui est ailleurs, elle nous étudie. Et ils comprennent pas, ces mecs-là, ils veulent coopérer avec nous. Ils nous lancent des signaux là avec leur putain de parabole pour savoir qu'on coopère avec nous. Mais ça va pas, on se lance dans une... On peut pas. Là, c'est provoquer la mort. C'est pour ça les extraterrestres, ça, ils veulent pas coopérer avec nous parce que on est des études scientifiques, Zama, ils nous étudient. On est des bêtes, ils disent tiens, voilà, hop, c'est un train de s'uniquer entre eux, pourquoi? Ok, ils notent, boum. Comme ça, eux, ils font pas ces erreurs là. Ah mon frère, quand j'ai vu ce genre de situation, et les gens, quand j'ai vu ce genre de situation, j'ai vraiment eu mal au cœur. Et les gens qui ont cautionné ça, sa mère. Comme je peux le dire, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ouais, il s'est fait baiser par 6 personnes, bien fait pour sa gueule. Mais toi, à la base, t'aurais fait quoi face à 6 personnes? T'aurais pu faire quelque chose? T'aurais pu te relever? La seule chose, moi je vais te dire, mais écoute-moi bien ce que... T'aurais pu faire qu'une seule chose. C'est de protéger ta putain de tête, qu'elle se défigure pas. Quand, d'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne, quand vous êtes à terre et que vous êtes encerclé en train de vous ramasser des coups, ne cherchez pas à protéger votre ventre, protégez votre tête. C'est exactement ce qu'il faisait Sultan Meskin. Il protégeait sa tête pour pas que son visage soit défiguré. Le visage est quelque chose de symbolique. Le visage, comme on dit, vous savez, t'as des gens qui se prennent des coups parfois par leurs parents, et t'as des pères qui disent, moi mon fils je lui touche jamais le visage. Je le frappe, oui, quand il fait des conneries, mais jamais le visage. Parce que son visage, faut qu'il... Non, un visage c'est quelque chose de symbolique. Tout ça pour faire comprendre, c'est le jour justement où vous allez vous faire niquer. Ou on sait pas ce qui peut arriver demain. On est jamais à l'abri de ce qui peut arriver. Là, vous vivez un instant présent avec moi, vous êtes en train de regarder la vidéo, demain tu dis, ah franchement c'est qui se baloule. Et le fait que tu dis c'est qui se baloule, demain boum, il t'arrive une couille. Tu dis, oh putain. D'ailleurs, j'étais en train de me moquer et boum, ah tiens, ça m'arrive. Pourquoi tu sais pas? Parfois, ça, je pense que vous le savez autant mieux que moi. Aujourd'hui, t'as des gens qui se font poignarder pour rien. Aujourd'hui, t'as des gens pour juste un regard de travers. Parce que juste le mec, parce que peut-être il lui rappelait quelqu'un, etc., tu sais pas, il va se manger un coup de couteau. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention à vos portables. Quand vous êtes dans une situation critique, vous voyez vos copains en train de fumer, votre pote en train de se faire tabasser, partez! Ne restez pas ici, partez, ou soyez, essayez d'éviter la chose. Essayez de lui dire, arrête de filmer, ça se fait pas, etc. Derrière une famille, t'as pensé à la famille, t'as pensé à la sécurité de la personne. Quand ce genre de choses vous arrive, c'est votre vie qui change. Vous serez confronté au regard des gens, aux critiques des gens. Vous serez confronté aux réseaux sociaux. Limite, vous aurez une peur quand vous allez sortir de l'école, quand vous allez sortir du travail. Votre seule peur quand vous allez vous asseoir sur votre chaise, c'est d'allumer le PC. Vous aurez peur de voir votre visage. Vous aurez peur de voir un photomontage sur votre gueule, etc., etc. Mais non. Tant que ça ne nous arrive pas... Justement, les gens ils se disent, moi, de toute façon, ça ne m'est pas arrivé. Ça ne m'arrivera jamais, de toute façon. Ça arrive qu'aux autres, mais jamais à moi. À croire que votre vie, elle est parfaite. Elle a toujours tourné rose. Elle a toujours tourné tout droit. Et votre vie, elle n'a jamais été un virage. Donnez-leur raison. Vous avez raison, les frères. Donnez-leur raison. Les jours, ça vous arrivera... Dites-moi si le lendemain vous êtes sorti la tête haute, en serrant la main tout le monde. Vous allez voir, vous serez limite la tête cachée, la tête baissée avec une limite une cagoule. Bref, c'est tout. En tout cas, je sais pas si les gens vont voir, enfin je sais pas, en tout cas, ça m'étonnerait, mais quand même, qui tente rien n'a rien. Sultan, courage à toi, force à toi. J'écoute pas trop ton rap, etc. J'ai déjà écouté quelques musiques, etc. J'aime beaucoup. Force à toi pour ces moments durs qui t'arrivent. Et c'est à des moments comme ça où tu dois être entouré de tes amis, de ta team, de ta famille, etc. C'est des choses qui, faut que tu te dises, c'est des choses qui pourraient pas arriver qu'à toi. Ça pourrait arriver à n'importe qui d'entre nous. Manque de peau, c'est tombé sur toi. Mais c'est à des moments comme ça où tu dois y faire face. Montrer que t'es fort. Et si je peux me permettre, hey,
ça sera pas quelque chose d'infini. C'est-à-dire que ta situation que tu es en train de vivre actuellement, c'est pas quelque chose qui va durer éternellement. C'est un passage dur de la vie, et c'est ça ce passage-là. C'est en gros, c'est la vie qui est en train de te défier. La vie qui te dit, tiens, vas-y, ose-moi me défier maintenant. Et c'est à toi de passer à travers et dire, je suis fort, je suis balèze, je vais me relever. Malgré ces moments durs, je vais me relever et passer mon chemin. Continue à rapper pour les gens, continue à faire plaisir à mes fans. Voilà, c'est tout ce que je pouvais te dire, Sultan. Je t'apprends rien, t'as de l'expérience, etc. Mais au moins, voilà, si ça peut au moins te donner le sourire, un peu de force, ça me fait plaisir. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je me permets de lire un message au passage. Puis voilà, c'est tout. Je vous laisse sur cette fin. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Merci pour tout et à bientôt. Ciao, bye, c'est merde.